Une nuit au bivouac, sans assistance, pour basculer dans la deuxième partie du rallye Oulibia du Maroc. À mi-parcours de cette édition 2016, l'organisation avait bien fait les choses. Pas de dunes au programme aujourd'hui, mais une étape aussi longue que la veille, près de 300 km. Paolo Gonçalves espérait évidemment le même résultat. Après son coup d'éclat de la veille, c'est lui qui ouvrait la piste sur un tracé extrêmement rapide. Mais à peine le temps de montrer sa belle pointe de vitesse, que le Portugais, injection en rade, était contraint à l'abandon après une centaine de kilomètres. Coup dur pour Honda, qui n'était pas au bout de ses peines. Non loin de là, Ricky Brabec était lui aussi à l'arrêt, résigné à regarder passer les pilotes partis derrière lui. En 15 minutes, le podium du classement général moto venait de perdre deux de ses membres. Heureusement pour Honda, le troisième pilote officiel HRC allait s'illustrer. L'Argentin Kevin Benavides avale les 315 km en 3 heures et 13 minutes. Personne n'a fait mieux aujourd'hui. Il se replace du même coup en 3e position au général. Un classement toujours dominé par KTM. Toby Price se contente de la seconde place aujourd'hui, mais le voilà débarrassé d'adversaires encombrants pour la victoire finale. Sam Sunderland et surtout Matthias Waltner, l'Autrichien, l'accompagne dans les hauteurs du classement de cette étape ultra rapide. Après 150 km, j'ai trouvé un très bon rythme. C'est plus facile quand vous n'avez pas à ouvrir la piste. Et quand ma vitesse est revenue, j'ai eu quelques soucis de navigation, mais ça s'est amélioré sur la fin. Je fais une très bonne étape aujourd'hui. Chez les Français, Xavier de Soultrey n'en finit plus de confirmer ses énormes progrès dans le rallye raid. Sixième aujourd'hui et sixième au général, il réalise la performance du jour, malgré une crevaison. Ma progression allait depuis le début, d'année en année, et j'avais programmé d'aller de plus en plus vite, et là je commence à aller vite, et j'étais le seul à le savoir que je pouvais aller vite. Maintenant je le montre à tout le monde et je suis bien content, ça fait plaisir. Chez les autos, on se demandait bien si Nasser Alatia allait continuer son rythme fou. Trois victoires pour autant d'étapes depuis le début du rallye Oulibia. Mais la série s'est arrêtée là. À l'arrivée, malgré le deuxième temps final, le Qatari s'empressait de discuter avec Jean-Marc Fortin, le boss de Toyota Overdrive Racing. Visiblement, la voiture n'a pas aimé cette nuit sans assistance. Retrouver les mécanos lui fera le plus grand bien. Si Toyota va moins bien, c'est que Peugeot va mieux. Carlos Sainz, au volant de la 3008 DKR, a enfin rayonné sur les pistes sableuses et caillouteuses proposées aujourd'hui. Il s'impose avec 6 minutes d'avance sur Nasser Alatia. On n'avait pas vu le maître espagnol aussi heureux depuis le début du rallye. Vous savez, ça c'est le rallye raid. Un jour vous ne trouvez pas la bonne route alors que tout est facile pour les autres. Vous faites des erreurs et c'est ce qui nous est arrivé hier. Et puis aujourd'hui, tout s'est très bien passé. Aucun problème de navigation, même si ça n'était pas facile. On a remonté quelques voitures dans la poussière, ça n'était pas évident de les doubler. Derrière, Mikko Hirvonen rattrape un peu le temps perdu la veille. La Mini du Finlandais s'est montrée plus à l'aise sur les portions rapides du jour. Mais pour le général, c'est peine perdue. Il pointe à plus de 20 minutes de Nasser Alatia. Jeudi, l'étape la plus longue du rallye attend les concurrents, 319 km. Carlos Sainz pourra-t-il combler les 11 minutes de retard qui le séparent d'Alatia avant l'arrivée vendredi? Difficile à dire, tant le désert marocain est parfois imprévisible. En fin d'après-midi, une tempête de sable est venue secouer le parc technique, rappelant à tous que le rallye raid est une discipline où rien n'est jamais connu d'avance.